Continue. Hi! Hello! So, this is our vlog. En français. Ça, c'est notre... Comment on dit vlog en français? Vlog. Ça, c'est notre vlog. Du tiny house. Il est très tiny. But it's we're tiny too. So, it's okay. Oh, yeah. Bonjour mes amours, bienvenue sur Curiosité. Yes, 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 c'est un vlog. Je vais te préchauffer, c'est juste 5 minutes. Toujours en train de briser mon vlog. Look at her. So, hello, on est arrivé dans le tiny house. C'est vraiment tiny. Je vous ferai le tour demain matin parce que là maintenant on est fatigué, on a froid, on a faim. Mais c'est cute. So, I'm here with my girlfriends. Hey, girlfriends. Alors là maintenant on est en train de préparer la pizza, le four est vraiment trop petit, je pourrais vous montrer, mais là maintenant on va utiliser le barbecue en arrière parce que ça va prendre plus de bouffe et tout le monde est en train de galérer et moi je suis là à vlogger, donc je vous vois après, bye! Elle a froid la pauvre! I'm frileuse! Are you? Je suis frileuse! Ok, that's enough oil. Daisy à la salade. Left 99. Made for you. By you. Aucune pression. Il y a beaucoup de personnes qui me regardent alors que moi, ouvrir All eyes on you. Une bouteille de vin. C'est quoi le vin? Pas mon fort. Donc, en fait, nous avons ce soir un vin portugais blanc. Pas trop sucré, juste assez bon, sec. Se marie super bien avec la pizza. Donc, on a hâte de goûter ça. Je pense qu'on est en business. Peut-être pas pour moi qui vous l'appelle. Oh! Ooh, good job! Thank you. Thank you. Thank you. Out of a cabinet and put it. You can always leave it. And our beds are on top here that we're going to pull down. Boo! Did you pull the... Let's just smoke the smoke. And, on est tellement greedy. On avait tellement faim. Trois fromages différents. Champignons, c'est quoi? Champignons, fromage brie. Chèvre, fromage de chèvre. Fromage de chèvre. Right. On va pas manger tout ça là. En plus de la salade, au moins on a un petit goût, un petit côté healthy. Une salade. Mais on fait dur là. Du côté santé. Du côté santé puis du vin, les amis, du vin! On va manger. Ben donnez-moi mon verre, c'est dur là. Ce week-end glamping au combien rocambolesque. Guys, on va avoir un bon week-end. Guys, we didn't die. We didn't die just yet. Jacuzzi time. Yes. Cheers. Cheers, guys. Hi. Oh my god, on est bien. Ah! T'es vraiment comme contente là. Ça fait rire. Ah, d'accord. Oh, on a pas payé. Ok, ok. Ego, t'es capable. You did it, Joe. You did it. Boo. Oh my god. Good job. Oh. Your blanket. Bon matin. Oh my god, on est bien ici. Je voulais juste vous mettre un peu en contexte. Dans le fond, on a réservé, on a loué comme un petit chalet. Ça peut accommoder 6 personnes, mais on est 4. C'est vraiment dans un contexte comme c'est petit, tu sais, les lits sont superposés, puis vous allez voir un peu. Mais c'est tellement bien. Ça fait différent, je trouve. C'est sûr qu'on est coincé, puis ça... Quand je dis coincé, c'est juste assez, en fait, mais j'aime vraiment ça. De toute façon, j'aime tout ce qui me permet de faire un getaway, mais là, maintenant, il fait froid. Honnêtement, il fait moins 1 degré, mais juste le fait de ne pas être en ville ou socialiser d'une autre façon, je vous dis, ça fait une différence. So, yes! J'ai fait une coiffure protectrice.
en fait, parce que ça ne me tentait pas de me coiffer pendant toute la fin de semaine. Je n'ai pas amené de produits, j'ai juste amené de quoi faire mes edges, honnêtement. Avec le pattern Edge Control, je trouve que ça suffit. J'ai fait plus de tresses que d'habitude. Je me sens un peu bizarre, mais bref, ça passe. Dites-moi ce que vous en pensez. Puis ça se garde bien, puis je peux aller sur le jacuzzi, dans le jacuzzi, parce que je voulais pas dealer avec mes cheveux. Je trouve que quand une fille en voyage, faut vraiment penser en plus à notre peau, nos cheveux et tout. C'est un tout petit peu compliqué, surtout quand on a les cheveux naturels. Ça me tentait pas d'amener comme un leave-in, un gel, des brosses et tout. Puis je trouve que c'est beaucoup plus simple comme ça. J'aurais fait deux nattes, mais j'avais peur que pour le jacuzzi, ça devienne un peu comme trop frisé, puis bof. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, on va préparer le déjeuner. On va chiller à 4 dans le petit chalet. Puis, c'est ça. On a tous faim, c'est le temps du déjeuner. On va faire ça là. C'est là. You can't even do anything. Moi, je veux passer genre... Je veux pas être easy, là. Oh, le best friend! Allô! Je voulais juste prendre un petit peu de temps avec vous. J'ai travaillé sur ma vidéo pour demain. Vous savez, comme techniquement, tous les dimanches à 2h30, je publie une vidéo. C'est toujours un mini stress, je vous promets, de faire comme... de travailler sur la vidéo, créer du contenu sur Instagram, puis être présente sur les réseaux sociaux et tout, puis aussi profiter du moment présent. Mais j'ai pris comme une vingtaine de minutes. J'ai travaillé sur ma vidéo, donc elle sera disponible demain. So I'm super happy. Là maintenant, comme ça va être le moment pour aller dans le jacuzzi, je me sens comme plus zen. J'aime ça respecter mes horaires. Si je vous dis tous les dimanches à 2h30, je dois faire de mon mieux. Tous les dimanches à 2h30, je vais être là. So happy! Yes. So yeah, so jacuzzi time! Je peux profiter sans penser à comme mon Dieu, j'étais en retard. Au pire, si j'ai un petit retard, c'est pas grave, mais vous savez pas à quel point que j'essaie d'être disciplinée, j'essaie de faire de mon mieux, mais c'est sûr que oui, si j'ai des retards, c'est correct parce qu'on peut pas nécessairement tout contrôler, puis faut vivre le moment présent en effet, mais savoir que peut-être que je serai à l'heure ou au moins demain, c'est sûr que la vidéo va être publiée, ça me laisse. Ça me soulage, puis ça me fait plaisir. Ça là maintenant mon petit verre de vin. J'en vais dans le jacuzzi. Mon ventre est tellement rempli, j'ai toujours pas digéré là, comme le déjeuner de ce matin. on mange vraiment trop. Puis là, c'est le vin puis les chips, donc... Après, ça va être la charcuterie, ça j'ai hâte. So, yeah! C'est on avait attendu combien de temps? Longtemps? Qu'est-ce qu'on mange? Du prosciutto. Prosciutto, pas prosciutto, prosciutto, Québec, on dit prosciutto. Salami, jambon ou mortadelle Saint-Daniel,
Pardon. Oh, she's stealing! C'est ça. Tu voles vous! Prosciutto non. Ici aussi, je crois. Pas trop sûr, no name! No name. That's cow skin. Dégain, okay, lady. Reprends ça. Appellation Beaujolais village contrôlé. Donc, ça vient de France? Vous, également, un coup de cœur. Voulez-vous l'adresse 988 route de Montauban. OK, I made you deuxement. 14% d'alcool. Il n'y a pas une description? Bref, se marie très bien avec viande, protéines de toutes sortes. Se divorce autant en avec les rétins. Se divorce! Se divorce! Attends, tu maries. Highly recommend. OK. C'est quoi le nom? Beaujolais Village 2020. Les vrais connaissent. Ça sera pas, pas comme ton dernier vin qui était... Bang. Chez nous! Bang, bang! C'est chez nous! On est bang, bang, bang. Baby, do it like it's my b-day. Baby, do it like it's my b-day. Baby, do it like it's my b-day. Baby, okay. Yes. Shine, shine, les amis. Cheers, cheers, ladies. Ready for the tour. Hello guys, so là on a, comment on appelle ça, je pense que c'est un deck ici avec deux chaises puis un foyer. C'est vraiment beau, honnêtement, je trouve que la caméra ne fait pas justice, mais c'est très apaisant. Puis on a toute une vue ici, c'est vraiment bien. Puis c'est ça que je vous disais, ça vient avec le foyer puis les deux chaises. La table ici qu'on peut manger à l'extérieur, mais fait vraiment trop froid. Sinon, on a le barbecue ici. Puis ça, c'est l'extérieur du mini chalet. Et on a un jacuzzi juste ici. Ça fonctionne super bien. C'est vraiment bien, ce jacuzzi-là. Donc, on est quand même bien situé. Il y a d'autres chalets à côté, mais ça reste quand même assez discret, je trouve. On va faire une petite visite de la tiny house. Donc, quand on rentre, la première chose qu'on voit, on voit comme un petit salon ici. Mais ça reste pas ici tout le long. C'est vraiment cool, guys, parce que les deux places en haut ici sont des lits. Il y a deux lits doubles, en fait. Puis, il faut justement baisser le lit avec l'aide de cette petite chose-là, ici. Pour baisser le premier lit, ensuite baisser le deuxième lit. C'est nice aussi parce qu'ils ont un projecteur, puis le sound system est connecté ici. Donc, vous voyez le sound system ici et tout. Donc, il faut déplacer les chaises éventuellement. C'est pas très pratique, mais en fait, quand on voit que justement, il y a deux lits, c'est correct là. Puis, on a ici un petit sofa, puis qui se transforme aussi en cuisine parce que exactement là, on doit sortir la table que vous avez vue sur laquelle on a mangé notre déjeuner. Donc, on la sort, on la plie, on la déplie, puis on met les tabourets à côté. Ça fait 4 places ou même 6 places pour des personnes. Donc, ouais. On est rendu dans la partie cuisine, le chauffage slash climatiseur et tout. Puis, la partie cuisine, on a justement un petit four. C'est un petit four slash micro-ondes. On n'a pas trop utilisé parce qu'on était assez greedy, puis on avait des grosses pizzas là. Donc, on a fait ça sur le barbecue. Mais c'était facile de cuire nos œufs ici. On a les cabinets avec sel poivre, vraiment la base. Mais vous savez, on est haïtienne, donc on a amené tout ce qu'il faut. Il faut des épices! ici, on a les l'évier. Avec la base, puis les tiroirs sont vraiment, comment je peux dire, ils ont maximisé la place. Donc, tout a été bien fait, je trouve. Ici, on a les poubelles, recyclage et tout. Tiroir ici aussi, la même chose. Donc, ici, il n'y a rien. Poêle. Ils ont bien arrangé ça. On a le frigo. Quand même un assez gros frigo, in my opinion, honnêtement.
Mais vous savez, je pense que c'est bien fait dans le sens que quand quelqu'un vient dans un chalet, on amène notre bouffe et tout, donc c'est la moindre des choses d'avoir un frigo qui est potable. On a laveuse, sécheuse dans le même truc. Puis les serviettes, ce qu'il faut, support et tout pour ranger nos linges. Yes! Donc, oui, on a la toilette. Une très belle toilette, selon moi. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit petite, mais belle. Bon. Hey guys, that's me! Donc, c'est ça. On a pas mal tout. Ils ont très bien géré l'espace, nos serviettes, la toilette, la douche. Une très belle petite douche, selon moi. T'sais, on ne se sent pas coincé, c'est juste parfait, en fait. Puis, c'est la même chose. Encore des espaces pour ranger les choses et tout. Yes! Donc, pour notre lit, pour monter dans mon lit, en fait, il y a deux lits en haut, deux lits, un lit à côté d'autre, donc des lits simples en fait, mais l'échelle est rangée ici. Donc ça ici, c'est l'échelle qu'il faut sortir pour la ranger au milieu. Donc on aura accès à la toilette, mais il faut passer à côté en fait. Donc on la laisse pas tout le temps, une fois qu'on descend, c'est fini. Donc on a nos deux lits en haut et tout, c'est vraiment mignon. Honnêtement, props to them. Super beau travail. Et voilà. C'est tout. On dit bye à la maison, guys. Bye maison. Bye maison. Tu regardes la caméra, Boubou. Bye maison. Bye micro-maison. Micro-maison, c'était vraiment le fun. Oui. Yay.